fini les plaintes. Eh bien salut les amis, c'est Carmendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch 3 en français. C'est presque la fin, on terminera pas aujourd'hui parce que je me souviens que le boss final, comme tous les boss finaux de tous les Yo-Kai Watch, hein, c'est même plus un spoil à ce niveau, ont deux phases quand même. Je vous ai jamais montré la deuxième phase d'ailleurs parce que j'avais eu un problème avec mes fichiers à l'époque et donc j'avais jamais pu vous sortir la vidéo. Mais je l'avais battu quand même en version japonaise. Mais je me suis appliqué pour pas vous en parler, pour pas vous la spoiler. Donc je vous dis rien, mais il y a bien deux phases, hein, comme d'habitude. Genre, je veux dire, je peux déjà vous le dire, dans Yo-Kai Watch 4, le boss final aura deux phases, au moins. Voilà, je vous ai spoilé Yo-Kai Watch 4, voilà, m'en voulez pas, hein. Non, mais en vrai, j'en sais rien, je l'ai pas Yo-Kai Watch 4, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est toujours le cas dans Yo-Kai Watch. Donc là, on va terminer le dernier étage onirique et on va aller combattre la première phase du boss final. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. C'est parti. Faudra pas oublier de se redonner des stats et tout avant le boss parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, normalement, il n'y a plus d'étage de rêve là. Enfin, il n'y a plus d'étage chanceux. Ça va être, j'imagine, que des étages dangereux et un étage onirique. Je sais plus ce que ça va être le dernier étage onirique. Parce que genre on a battu le Nobot, on a eu l'eau, enfin donc la lune, l'eau, la terre, le feu, on a le soleil, je sais pas ce que c'est le soleil, c'est quoi cette histoire? Ah d'accord, ok, très bien, c'est cool ça! Genre il est arrivé en cow-boy le mec, direct. Étage onirique, soleil, n'allez pas embêter les poneys. Tourne-boulon, qui est tellement lumineux ici! Bon sang, on est dans un four ou quoi? Je cuis! Maintenant que j'y pense, tu dois fondre dans ta combinaison. Seul un robot comme moi peut endurer la chaleur de cet étage sans suer. Vous devez chevaucher un poney et vous échapper dans le temps imparti. Kirbenda, vite! Faut qu'on trouve un poney! Pauvre vieux sapion, t'as pas intérêt à te liquéfier! Ouais, il va fondre, il est fait de sucre. Ok, oh bon, c'est un poney cool. Alors vas-y, énerve-toi le poney. Énerve-toi. Mais c'est vrai qu'il m'attaque pas les mecs en fait. Il m'attaque. Ah ouais, mais attendez, mais ça je peux rien faire moi. Mais attendez, mais ça veut dire que je suis obligé de. Je suis obligé de descendre du poney, de faire ça et après d'aller rechercher un poney. C'est un peu pourri ça. Surtout que je suis quand même avec Waya, Tarian et tout ça et eux. Ils font rien, genre ils se touchent au lieu de détruire les cubes. Genre c'est ridicule quoi. Non mais vous servez à quoi? Salut, tu peux pas m'avoir. Ha ha ha. D'accord, non, faut pas tomber dans le vide non plus. Hein. Allez, on court. Là il y a des trucs mais ça nous intéresse pas. Bon, 2 minutes pour sortir de ce truc. En fait, je pense que ce serait un petit peu compliqué si les ennemis nous attaquaient. Parce que, bah voilà, attendez, en moins de 30 secondes. Parce qu'effectivement, si les ennemis nous attaquaient, ça nous ralentirait pas mal. Mais là, ils nous attaquent pas, genre. Vous êtes venus à bout de cet étage? Je ne m'y attendais pas. Piou, on a réussi, j'ai cru que c'était la fin des haricots. Tu te plains beaucoup pour quelqu'un qui se disait cuit. Cette combinaison, c'est un sauna, ok? Bah, retire-la. Attends, quand même, Yousapion, c'est une loutre. Donc ça veut dire qu'il a de la peau, plus des poils, plus, enfin, de la fourrure, hein, plus une combinaison. Donc effectivement, il doit faire très 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 chaud. Hein. Vous m'avez tout l'air d'en avoir fini avec l'étage onirique soleil. Oui. Voilà, sprint, étage onirique soleil. Et ben, je crois que c'est le dernier. Je suis pas tout à fait sûr. Peut-être que j'en ai fait que 6. Comme j'ai dit, j'ai perdu le compte. Mais en tout cas, on est proche de la fin. À mon avis, il me reste un étage dangereux et quelque chose. Un étage dangereux et quelque chose. Allez, oui, non. Oh, mais c'est nul. Une étoile dansante, mais c'est pourri. Ah bah ok, ouais, on a fait tous les étages onériques. Très bien. Vous avez donc réussi à venir à bout des 7 étages oniriques. Bon, maintenant tu vas nous emmener au dernier étage pour voir Don Morleone. Erreur, je ne me rappelle pas avoir mentionné quoi que ce soit à ce propos. Mais si! Pardon? Je plaisante, décidément vous n'avez pas d'humour, Smiley Chat. On aime seulement les blagues drôles. Ma plaisanterie était très drôle. Ok, ok, je vais vous emmener au dernier étage. Parfait! Faut se manier, c'est mal poli de faire attendre quelqu'un, même Don Morleone.
Direction le dernier étage. J'ai marmonné. Don Morleone. D'ailleurs, ouais, mais bon, ok, il s'est téléporté ici. D'ailleurs, ouais, effectivement, si on voulait dire en français, ce serait pas Don Morleone, ce serait Don Morleone. Bah ouais, hein. Attendez. Ah, il faut d'abord que je fasse tourner la roue. Je vais pas au 5. Ah ouais, mais j'ai pas un bug. Genre, j'aurais pas dû. Bah, normalement, il y a un étage en plus, non? Dans la version japonaise, j'avais bien fait tous les étages. Ça me paraît bizarre. Bon, pourquoi pas, mais ça me paraît bizarre. Genre, je croyais que j'avais tout complété dans la version japonaise. Je rêve peut-être. Dernier étage de la tour Morléone. Tenez-vous bien. Oui. J'espère que ce Don Morléone est prêt à dérouler le tapis rouge pour nous. Wow. Hein? Ma pierre philosophe n'y brille. Maintenant que j'y pense, c'était pas déjà arrivé? Yep, à la grotte du Grincheux quand on s'est approché de l'OVNI. Mais là, c'est bien plus intense, largement plus! Ça doit être à cause de cet ovni que Don Morleone a chopé. Je vois. Alors, ça veut dire que cette pierre est vraiment liée aux aliens. Bref, pas de temps à perdre, des yokai comptent sur nous! Bien dit! Hein, Wyatt, c'est moi ou tu as dit yokai? Ah ouais, c'est vrai? Il l'a dit, je l'ai entendu! Pourtant, il dit tout le temps, ce sont des aliens, je vous dis. Alors d'abord, je parle clairement pas comme ça, et... Jusqu'à maintenant, j'avais aucun moyen d'être sûr que vous étiez pas des aliens. Bah, toujours pas en plus, en vrai. Enfin, non, il a eu aucune preuve, en fait. Il marque un point. Et au final, peu importe vous soyez des yokai ou des aliens. Toute façon, vous restez des bestioles bien chelous. C'est pas faux. Ça, c'est notre Wyatt. Maintenant, il est temps de montrer à Don Morleone de quel bois on se chauffe. Ok. Bon, ce serait bien de sauvegarder, quand même. Alors, avant de sauvegarder... Il faut qu'on aille voir nos objets, qu'on booste un petit peu toute cette petite famille. Alors, mystère antique, est-ce que si je booste Coach Anthony, ça marche vraiment? Parce que genre, c'est pas une attaque. J'en sais rien. Je vais pas booster que Coach Anthony. Ouais, si je boostais que Coach Anthony, je pense que je le regretterais. Donc non. Mégalopole, pourquoi pas, ouais. Parce que Mégalopole est plutôt fort. Ça serait bien de passer en niveau 3 quand même, parce que ton âme ultime ne sert pas à grand chose. Mais on va te faire passer en vert. Voilà, en vert. Bon, il en reste qu'un, alors on peut le donner à quelqu'un. Pas Wobble Nian, parce que Wobble Nian va certainement pas rester dans l'équipe bien longtemps. Coach Antonic, allez, je sais pas si ça sert sur Coach Antonic, mais on sait jamais. Les attaques magiques, voyons voir. Je sais que je suis en train de dépenser tous mes trucs, mais bon, faut bien. Hein. Alors, à lui et... À Coach Antonic, tiens, voilà. Les arts antiques, bah ouais, pas 3 à caca. Hein. Mégalopole, il fait quoi? C'est une récolte, non? Je crois qu'il fait une récolte. Donc, ok. Lui, je sais pas ce qu'il fait. C'est des éboulements, un truc du genre. Donc, non, on va rester sur Mégalopole. Je sais pas ce qu'il... Je sais plus ce qu'il fait, Mégalopole. Et les coups secrets, pour finir. Coach Antonic, allez, on te monte un petit peu. Et allez, toi, un peu, parce que... Enfin, vous deux, parce que vous êtes quand même pas très, très, très fort. Voilà, maintenant, on peut sauvegarder. Et on va y aller pour la première phase de ce boss. On fera pas les deux dans cette vidéo, hein. C'est presque sûr. Parce que je crois que c'est plutôt long, en fait. Parce que surtout qu'il y a des cinématiques, des dialogues, et blabla, et blabla. Puis il n'y a pas lui à battre aussi. Je crois qu'on doit le combattre, non? Toi! Je vois que l'OVNI est pas venu tout seul. Excellent, je vous attendais! Alors que tu étais de mèche avec Don Morleone depuis le début, Nia? Et ouais. Je suis l'extraordinaire homme de main de Don Morleone. On a des trucs à régler avec ton patron, alors bouge de là. Tu vous croyez vraiment qu'il va bouger? Vous espériez sincèrement que j'allais m'excuser et vous laisser passer? Pour être honnête, ouais, un peu. T'inquiète, on va te faire bouger nous-mêmes, au nom de tous les yokai. Je n'aurais pas pu mieux dire. C'est l'heure d'en finir une bonne fois pour toutes. Je dois avouer que vous exhibez un véritable talent. Pour être honnête, vous êtes extrêmement coriace. Malheureusement pour vous, je suis très exigeant envers moi-même. Sans exagérer, j'ai enduré 555 ans de solitude en attendant son excellence. Peu importe les souffrances, mon existence lui est entièrement dévouée. J'affronterai quiconque s'opposera à son excellence, sans aucune exception. Ok. Oh là, il est devenu encore plus grand que d'habitude, non? Alors là, il va directement dans le pâté, quoi. Genre, il passe pas par trois chemins. Genre, c'est pas... Il nous combat pas en étant d'abord Rikiki nul. Il nous combat direct en étant super fort.
Alors ça, faut les détruire, non? Ok, et voilà. Bon, c'était un petit peu nul. Mais bon, pourquoi je peux pas utiliser le blaster? Expliquez-moi. Ah voilà, je peux. Je peux, très bien. Bah là, il va faire son ultime un peu dans le vide, le mec, hein. Il bouge beaucoup ou pas? Ouais, un peu. Allez, fuck. Je pense pas que ça fasse beaucoup de dégâts, comme d'habitude, mais sait-on jamais. Oh, pas mal. Attendez, allez, voilà, faut que je me rapproche, mais j'étais en train de ranger mon stylet. Allez. Ok, bah j'ai l'impression qu'il a perdu plus en fait que le no-bot. Mais moi ça me va. Joli. Bah ouais, vous avez rien pris, donc c'est plutôt pas mal. Allez, un ultime. Il faut. Ah mince, non. J'avais oublié. Voilà. Oula, ça je m'en souviens, c'est horrible, non? Je sais plus comment ça marche. Je sais plus comment on fait. Faut pas se débarrasser de l'œil. Je sais plus. Moi de toute façon ça bug sur ma version. Elle est toute pétée. Ok, ça lui fait beaucoup de dégâts, c'est cool. Genre, attendez, il a déjà perdu la moitié de ses vies quand même, je tiens à le dire. Attendez, mais de toute façon, ça m'attaque quand même, non? Je sais plus. What? D'accord, il a pas attaqué. Ah si. D'accord, bon, très bien, parfait. Il a perdu la moitié de ses vies en un rien de temps. Ça a été assez incroyable. Hein. Elle est plutôt ouf, mon équipe. Hein. Moi, je l'aime bien. Allez. Ouais, il y a quand même des attaques qui touchent tout le monde. 91 points de vie. Avant, il leur donnait 35. Hein. C'est un sacré pas en avant, les frères Kaka. Vous êtes quand même sacrément forts maintenant. Enfin, vous n'êtes pas les meilleurs soigneurs du monde, je le sais bien. Mais c'est quand même pas mal. C'est quoi ça? Ah non. Ça baisse les stats. Bon, ça baisse des stats qui avaient déjà été augmentées. Donc, il y a pire quand même comme envoûtement. Le pire, c'est l'envoûtement qui te fait faire n'importe quoi. Parce qu'après, ils se mettent à attaquer tes propres potes. Le soigneur, il soigne plus. Et donc, c'est pas cool du tout. Ok, purifié encore. Ça, j'aime pas. Ça, c'est le plus facile, en fait. Mais genre, c'est totalement de la chance, quoi. Tu peux tomber dessus du premier coup. Ou tu peux mettre 3 plombes. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Maintenant, coach Antonique, à ton tour. Ça va. Ça, c'est pas de la chance, hein. Faut juste couper les trucs. Le plus facile, c'est peut-être les feuilles, en fait. Les feuilles à soulever. Le truc à tourner, c'est aussi facile, mais ça peut être très long. Ça peut être très très long en niveau élevé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Il y a un objet. Ah, ça c'est bien, c'est le blaster. Ils ont plus le boost de coach. Ils ont plus le boost du coach. Mais je vais pas le réutiliser. Je l'attends pour le prochain boss. Blaster de force feu. Oh, il y a mieux. Enfin, ça va quand même, mais bon. Oh là, ça lui fait mal. J'utilise le blaster. Allez, je réutilise le blaster. Allez, vas-y. Fais élever. Si tu fais élever, je pense qu'on peut le tuer. Non, j'exagère peut-être. Et ce sera pas élevé. Non, c'est pas élevé, dommage. On le tue pas, mais on lui retire quand même la moitié de ce qui lui restait. Hein. Attendez, me dites pas qu'on va quand même le tuer. Mais c'est parce qu'on lui fait peut-être plus de dégâts parce que son œil est sorti. J'en sais rien. Mais là, sa barre de vie, elle a l'air de défiler, mais... Ah non. Ok, d'accord. Bon, il est presque mort. Pas tout à fait, mais presque. Mais ça sert à rien de bouger, là. Hein. Bon, on va bouger quand même pour la forme. Parce que ce serait bête de prendre des dégâts maintenant. Genre, tous mes yokai sont au max de leur vie. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà. Gagné. Au niveau de l'XP, ça se joue comment, là? Ok. Non, mais tout le monde augmente de niveau. Ça valait le coup. Ça valait tout à fait le coup. Niveau 44 pour Wobblenian. Il défonce tout, Wobblenian. C'est ouf. Enfin, je le mets jamais en jeu, hein, mais... En fait, il est pas si fort que ça. Mais je l'aime bien. Arg, l'exécuteur est devenu l'exécuté. Adieu. C'est parti. On l'a vaincu. Ça m'en a tout l'air. C'est pas trop tôt. Je suis désolé, votre excellence. Je n'ai aucune excuse. Bon, tu disparais. Et pourquoi t'es tant obsédé par Bozo Bingo, d'ailleurs? Bozo Bingo? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'a fait attendre un sale type dans son genre pendant 555 ans?
Est-ce qu'il en valait vraiment la peine? 555 ans, c'est extrêmement long! Mais vous n'avez pas connu Don Morleone dans sa jeunesse! Pour vous, c'est un sale type, exact, mais il ne l'a pas toujours été. Hein? Son Excellence m'a expliqué qu'il était un yokai comme les autres. Mais un jour, alors qu'il était enfant, il a vu un ovni. Il a commencé à être fasciné par l'inconnu, jusqu'à l'excès. Un enfant extrêmement impressionnable, que le surnaturel faisait rêver. Je présume que c'est là que les choses ont mal tourné? Exactement. Personne ne l'a cru quand il a raconté ce qu'il avait vu. Ils l'ont tous traité de menteur. Son Excellence a eu le cœur brisé. Je vois. C'est comme ça qu'il est devenu un paria dans le Yokai World. Un paria? Pensez ce que vous voulez. Mais il restera mon exemple, mon sauveur. Sauveur? Quand il m'a pris sous son aile, je me suis juré de lui dévouer mon existence. Vous pouvez le trouver exécrable. Je m'en moque. Je n'ai aucun regret. Ce type faisait tout ça pour son patron en fait, gna. Bah ça on l'avait compris, hein. Par contre le reste non, mais ça on l'avait compris. Merci de ton intervention inutile, dit Banyan. Exactement. Je n'ai fait qu'aider son Excellence à réaliser son rêve. Je voulais voir le nouveau monde de son Excellence de mes propres yeux. Agent X. Oui bon, tu meurs. C'est juste que ce rêve cause de gros problèmes à tout le monde. Désolé, mais on doit arrêter ça. En fait, Don Morleone, c'est Wyatt, c'est ça? Soit, allez-y, je suis exténué à force d'essayer de vous arrêter. Très bien. Veuillez m'excuser, votre excellence. Je voulais être avec vous jusqu'au bout. Donc il est mort, là? Il a disparu bizarrement, genre les yokai disparaissent pas comme ça d'habitude. Allons-y, il est l'heure de faire face à Don Morleone. Ça doit être parce qu'il est mort. Et comment? On va lui faire sa fête! On va sauvegarder avant. On va sauvegarder quand même. Oui, on sait jamais. Mais genre c'est classique dans Yuka Watch que les méchants en fait ils soient pas vraiment méchants. Enfin je dis ça mais non parce que McCracken il était vraiment méchant. Enfin McCracken il avait pas eu une enfance douloureuse je crois. Il était juste méchant quoi, c'est tout. Par contre effectivement Lady Perpetua oui elle est vraiment méchante mais elle a une raison et lui aussi apparemment. Mais bon le grand moment est arrivé. Nous allons affronter Don Morleone. C'est pas du yokai de pacotille. Tout le monde est prêt? C'est parti! Allons-y! Alors, allons-y! Au nom de tous les habitants du Yokai World! Y'a une cinématique? Non, je crois pas, c'est juste un dialogue. Ouais. Mouhohoha! C'est donc vous les intrus! Vous m'avez fait attendre! Vous allez bientôt regretter qu'on soit là! Bienvenue dans mon humble demeure, la tour Morléone! Dire que les morveux que vous êtes ont réussi à vaincre l'agent X! Je crois rêver, mouhohoha! Et Don Morleone adore rêver. Fini de rigoler, redonne leur apparence au yokai de New Yorkai. Qu'est-ce qui vous donne le droit de contrôler le monde d'ailleurs? Contrôler le monde? Pff, un rêve doit être bien plus ambitieux. Plus ambitieux que contrôler le monde? Il n'y a aucun plaisir à dominer le monde, c'est bien trop simple. Mon rêve vise bien plus haut. Mouhoho, laissez-moi vous expliquer. FBY, ne bougez plus! C'est vous qui contrôliez l'OVNI? On ne vous a jamais dit que c'était très mal poli de couper la parole? J'ai bien peur de devoir sévir. J'ai juste à claquer des doigts et badabing! Badabing! Nya, il les a transformés tous les deux en mafiosi! C'est son super pouvoir ou quoi? Bien vu, il s'agit en effet de mon talent secret. Donc pourquoi il ne nous transforme pas nous en mafiosi? J'ai le pouvoir de rendre mes rêves réels. Et grâce à cette pierre philosophie, ma puissance est décuplée. Alors pourquoi dominer le monde quand on peut complètement le transformer? Je changerai ce que bon me semble pour que ce monde soit à l'image de mes rêves. Non, s'il vous plaît, je ne supporterai pas un remake de plus. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Le genre de cauchemar dont on veut vite se réveiller. Vous pensez pouvoir battre le grand Don Morleone? Quelle naïveté! Qu'est-ce qui sera le plus fort? Mon rêve ou votre manque d'imagination? Oula, il est chaud le mec, hein. Bon, il me semble que la première phase n'est pas si difficile que ça. La deuxième, c'était un petit peu plus chaud, mais celle-là, je crois que c'était tranquille, en fait. Enfin, on va voir, hein, ça se trouve, je rêve, mais allez, je lui crevais l'œil pour commencer. Voilà. Ah, ça n'a pas marché, malheureusement.
Enfin, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y avait un yokai et on pouvait lui crever son œil. Comment il s'appelait? C'était le yokai dans le chantier, là, dans Yokai Watch 1. On pouvait lui crever les deux yeux et après, bah, genre, il pouvait plus nous attaquer parce qu'il nous voyait plus. C'était horrible, ce truc. Enfin, on lui crevait pas réellement l'œil, mais on lui faisait fermer ses yeux, en fait. Ok. Une belle musique de film italien. Ah non, mais il y en a un qui peut pas s'enfuir. Ouais, j'aurais pas le temps. Dommage. Ouais. Bah attendez, son attaque, elle est un petit peu pourrie quand même. Ouais, c'est pas ouf son attaque, hein. Je m'attendais à mieux. Par contre, il y a un truc quand même. C'est qu'il a déjà perdu quasiment toutes ses vies. Alors que ça vient de commencer, hein, quand même. Hein, je tiens à le dire. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Charge tout le monde. Le combat a l'air d'être extrêmement rapide. Je crois que j'ai jamais vu une première phase de boss finaux de Yo-Kai Watch aussi simple que ça. Ouais, si, peut-être Blaster. La première phase du boss final, là, le sage moelleux, je sais plus comment il s'appelle, dans Yo-Kai Watch Blaster, était pas si difficile. Ok, de l'argent. J'aurais préféré de l'XP, mais bon. Je sais même pas s'il donne de l'XP, ce boss. C'est possible qu'il en donne pas. Hein. Vas-y, fais élever. Ouais, trop bien. Parce que eux, ils sont agaçants. Ouais, je veux bien tuer lui. Allez. Ouais, non mais arrêtez d'aller à l'autre bout, c'est lui qu'il faut tuer. Voilà. C'est lui le soigneur, c'est lui qui est embêtant. Mais arrêtez. Ça vise pas du tout où il faut. Pas du tout. Voilà, lui on le tue. Ah, il y en a déjà un qui est mort. What, qui a tué tout le monde, c'est lui? Qui a tué tout le monde? Oh, moi ça me va, hein. Ça me pose absolument pas de soucis, mais j'ai pas bien compris. Bon, allez, frappez-le. Offre irrésistible. Genre, il essaye de nous corrompre, c'est ça? Il veut nous donner des pots de vin pour qu'on pour qu'on arrête de le frapper? Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça dépend. Tu proposes combien? Ah. Oh là là, mon équipe, elle est quand même ouf, en fait. Genre, quand je pense que j'ai que deux rangs S et qu'il n'y en a qu'un seul de sortie. Et pourtant, ils s'en sortent pas mal. Et les frères Kaka, ils sont rang B ou rang A? Je me souviens plus. Oh non, oh non, non, non. Ça, c'est pas cool. Oh là là, ça va être dans le dernier, non? Oh mon dieu. Ok, très bien. Par contre, si, je vais gagner beaucoup d'XP. Hein. Là, j'en ai déjà pas mal. Juste avec les purifications. Non, non, non. Oui. Ok, purifié. Le dernier. Oh non. Encore. Ah, mais là, coach Anthony, il a bu le boost. Faut que je rebooste les yokai. Je vais en profiter de... Que justement, il y ait les personnes devant. Allez, âme ultime. Mais en fait, il a une bombe autour de lui, le mec à droite. Ah, j'ai compris, c'est parce que si tu le tues, en fait, il fait exploser tous les autres. D'accord, ok, j'ai saisi. Donc, on va les tuer. Allez, allez, celui de droite. Vas-y, très bien. Ah bah, c'est bon. Alors là, du premier coup, quoi. Ça a été assez facile. Quoi, il y en a encore? Ah bah, attendez, mais non, 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 j'utilise pas mon blaster, alors. J'utiliserai mon blaster sur Don Morleone. Allez. Et ben voilà. Ça l'a tué. Bon, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est bon. Voilà, parfait. Élevé, élevé, élevé. Parce que non, il est pas très dur, mais il est long, hein. Voilà. Enfin, long, je crois que ça fait que 5 minutes en fait que je vais commencer le combat. J'exagère, hein. Elle est belle, sa médaille. Je me demande vraiment s'il est jouable dans les Kawash Puni Puni. Et s'il sera jouable dans Yokai Watch 4, je pense pas. Genre, ils ont pas l'habitude de mettre les boss finaux des anciens Yokai Watch jouables dans la suite. Genre, McCracken, il est pas jouable dans Yokai Watch 2. Il y a Pote au Feu, mais genre, c'est les boss optionnels. Mais les boss principaux, ils le sont pas. Hein. Genre, de Yokai Watch 3, je crois pas qu'on puisse jouer avec Lady Demona. Enfin, Lady Perpetua. J'y mets pas ma main coupée, hein. J'ai pas encore fini le jeu, mais je crois pas. Hein. Je crois pas.
Par contre, dans Mechawatch 1, on pouvait jouer avec McCracken dans son équipe, mais fallait hacker la console. Si tu hackais le jeu, tu pouvais l'avoir dans ta console, parce qu'en fait, il avait une médaille, il avait été programmé pour être jouable, mais en fait, tu ne pouvais pas le récupérer par des moyens normaux, fallait forcément pirater le jeu. Mais il était jouable, hein, tu pouvais l'avoir dans ton équipe, il attaquait, il avait une âme ultime, etc., etc. Hein. D'accord, c'est pas cool. Je sais pas si c'est le cas dans Mechawatch 2. Enfin, dans Mechawatch 2, je sais pas si t'as une médaille pour Lady Perpetua que tu peux mettre dans ton équipe. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Non. Non, ça ira. Tout l'XP qu'on va gagner, c'est génial. Mais c'est bientôt fini, vas-y. Encore un. Oh non. Faut que j'y arrive avant qu'il le tue. Eh ben mince. Ah non, j'y étais. Ah, c'est bon, j'y suis arrivé. Ça m'a parfait. Oui, 102 points d'XP de plus. Yes. Je suis fier de moi. Augmentation de niveau. Eh ben oui, presque pour tout le monde. Genre 12 points d'XP, quoi. Il lui manque 12 points d'XP à Millian. C'est incroyable. C'est rien du tout. Ah, c'est dommage, j'ai eu un secret de là, mais je pouvais pas l'utiliser, je pense. Non, je ne suis pas prêt à abandonner mon rêve. Je ne peux pas abandonner tant qu'il ne s'est pas réalisé. Voilà, ils redeviennent normaux. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il nous est arrivé ? Haha ! Le pouvoir de la pierre Philosovni. Et ça n'a rien changé. C'est notre victoire sur Don Morlione qui les a fait redevenir normaux ? Moi, oh, oh, votre victoire, vous allez bien vite en besogne. Car mon rêve est indestructible. Tous ceux qui m'empêchent de réaliser mon rêve rejoignent la mafiamille. Et tous ses membres partagent mon rêve. Badabing! Mon rêve ne cesse de grandir, de devenir plus fort. Et vous allez tous en faire partie. Sortons un instant. Un instant? Je suis pas sûr. Les pauvres. Ils se sont fait enlever littéralement par un extraterrestre. Enfin non, c'est pas vraiment un extraterrestre, mais ils se sont fait enlever quand même dans un vaisseau d'extraterrestres par Don Morleone. Qu'est-ce que... C'est la Terre ? Eh oui. Les amis, nous on va en rester là quand même pour cette vidéo maintenant, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la vraie forme du boss final maintenant. Donc on découvrira ça dans la suite. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Souhaitez-moi bonne chance et laissez des pouces bleus. J'en ai besoin pour la suite, parce que je crois qu'il est un petit peu tricky, mais... Je pense que mon équipe, elle est peut-être même encore plus forte, en fait, qu'à l'époque de la version japonaise. Donc ça devrait peut-être aller, mais on verra. Les amis, à la prochaine, salut !